Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Action de mes rues pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale jardin extérieur. Comme vous pouvez le constater, on a un beau rayon ici, donc je vous propose qu'on découvre tout ensemble tout de suite. C'est parti. Allez, je commence au bout du rayon. La table de jardin carrée, donc en métal. 76 par 76, 73 cm de hauteur. Elle coûte 50 euros. Vous pouvez ajuster les pieds. Et super sympa. Il y a les fauteuils de jardin aussi, fauteuils relax. Ils sont à 35,95 avec l'appui-tête. Vous avez 5-6 positions. Ceux-là aussi, vous les connaissez, hein, ils étaient là l'année dernière. Donc ils sont de retour. On a encore du mobilier ici. Donc on a la petite table à 15 euros. 54 par 39, 31 cm de hauteur. Elle est toute en bois. Et il y a la banquette. Le banc à palette ici à 60 euros, 1,15 m par 75 pour la dimension. Ça pareil, c'était dispo l'année dernière, donc c'est tout de retour là cette année. Les coussins pour les chaises de jardin, 1,20 m par 50, 5,5 cm d'épaisseur. Ils sont à 9 euros, les voici. Ils sont pas mal. C'est pas cher. Franchement, Action nous sauve la vie pour des trucs comme ça, parce que ça... ça coûte une fortune si vous allez en supermarché ou ailleurs, c'est vraiment une fortune. Hein. Je en ai acheté un l'année dernière. J'ai même pas envie de me rappeler du prix tellement que c'était cher. Les coussins matelas imperméables, il n'en reste plus qu'un ici, c'est 3 euros en 40 par 40. Et à côté, on a des housses de coussins imprimées à 1,79 €, donc 45 par 45. On a ici des lustres en fil à 8,95 €. Alors, je sais pas pourquoi c'est dans le rayon extérieur. Ça, je le mets... Ah oui, c'est pour intérieur et extérieur. Ils sont superbes. Diamètre 18-19 cm de hauteur ou alors diamètre 15-28 cm de hauteur au choix. Donc là, ça doit être pour des douilles E27. Ah non, ça fonctionne à pile. C'est super bien. C'est super mignon. Ah oui, ça fonctionne à pile. Voilà, ça coûte 8,95 €. Les lampes solaires craquelées, c'est 4 euros. 11 cm de diamètre, 45 cm de hauteur. J'en ai mis dans mon jardin. Elles sont super bien. Moi, je les avais achetées quand elles étaient en promo. Hein. Les torches suédoises, 2,49 € l'unité. Et ici, vous avez des piquets jardin animal, donc LED. C'est 5 euros pièce. Voilà le visuel quand ça s'allume la nuit. Eux, ils sont de retour, les petits nains de jardin. 4 euros. Je sais pas pourquoi ils me font rire. Je sais pas pourquoi, ils m'effrayent. Par ici, vous avez des petites figurines qui sont trop mimi, regardez. Petit écureuil, petit chien, petit poussin. Ça coûte 1 euro pièce. C'est trop mimi. Pour mettre sur un rebord de fenêtre ou pour faire une petite déco. Et ici, on a, je sais pas ce que c'est 55 cm de hauteur. Bah, c'est une petite lanterne aussi. Pour décorer, ouais. Ah non, c'est un carillon, 2,69 €. Un carillon avec une petite chenille, c'est trop adorable. Les papillons, je peux vous en parler, j'en ai acheté plein pour décorer chez moi, sur un pan de mur en fait qui était triste à mourir, donc j'ai mis des papillons. 1,99 €, ça c'est le grand modèle, normalement il y a des petits gravis. Ça aussi j'en ai acheté mais je ne les ai jamais utilisés. C'est 91 centimes l'unité. C'est des lanternes de 20 cm de diamètre. Et là, vous en avez en 28 cm de diamètre à 2,87 €. J'adore l'ambiance lampion moi, en extérieur. Vous voyez, ça peut être super sympa. Alors, c'est plutôt pour mettre une ambiance. Hein. C'est pas fait pour éclairer tout le jardin. Mais c'est sympa. Très sympa. Et ici, on a des photophores. Dans support, c'est 1,99 € la pièce. Donc, c'est solaire aussi. Donc c'est pas mal, visuellement c'est joli. La petite lampe murale avec détecteur de mouvement qui éclaire jusqu'à 50 mètres, elle coûte 5 euros. 50 euros, on va pas exagérer. Hein. Par ici, vous avez des illuminations de fête pour faire un petit peu guinguette. Il y a 15 mètres en blanc chaud, ça coûte 8 euros. Donc les lampions, ils font 2,5 cm de diamètre pour indicateur. Et ici, on en a d'autres. C'est des guirlandes solaires tropicales, 4 mètres de longueur. Elles sont à 4 euros. Donc, c'est mignon ici.
Et là, on a les bigs. Hein. Elles sont à 18,95. Il y a 5 mètres de câble. Câble d'alimentation, il y a 20 ampoules et il y a 45 cm entre chaque ampoule. Donc en tout, il y a 13 mètres de lumière. Ça coûte 18,95. Et ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à 5 euros. Donc il n'y a pas de changement. Donc voilà, on a fait une première étagère. Ça, j'en ai acheté une, un hôtel à insectes. Je l'avais acheté chez Action l'année dernière. Je crois que c'était Nana. Tu vois, Nana, c'était déjà de précieux conseils l'année dernière. Je t'avais demandé c'était quoi, à quoi ça servait. Et tu m'avais dit que c'était trop bien et tout ça. Et j'en avais acheté un justement chez Action. 2,59, ils font 26 par 13, ceux-là. Il est resté intact. Hein. Les jardinières murales, c'est 1,99€. L'unité. Vous voyez, vous la fixez comme ça contre le mur. Suspendre un pot de fleurs. Et ici, qu'avons-nous? Oh, pic de jardin papillon. J'aime bien, moi, ces conneries pour mettre. J'ai une grande jardinière, en fait, sur mon balcon. Et j'aime bien piquer des choses comme ça. Ça donne une petite ambiance. C'est 1,89€ la pièce. Il y a plein de couleurs, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a énormément de couleurs. Les épouvantails par 3, c'est 1,11€. Oh, ça aussi, c'est trop chou. Les petites décos de jardin. C'est adorable, ça. Ça coûte 1,42€. Il y a plein de variantes. Là, il y a une petite coccinelle. Il y a un petit papillon avec, on dirait, un asticot. Et ici, il y en a d'autres à 1,64€. J'en avais acheté aussi. C'est ceux qui tournent avec le vent. Avec le moulin à vent, tout simplement. Donc, 1,64€ pièce. Je vais vous montrer tout ça, mais avant, je vais vous montrer un coup de cœur, mais j'ai pas le prix, malheureusement. C'est ces petits pots là, en carreaux de ciment. Ils sont canons. Et regardez, celui que je trouve encore plus beau, c'est lui, en orange. Je l'adore. J'ai pas le prix encore, malheureusement. Mais je les trouve trop, trop beaux. Ils sont vraiment canons. Bon, les bleus aussi, les rouges aussi, mais je sais pas, j'ai un petit coup de foudre pour le orange. Les pots de fleurs balcon Malaga, 18 cm, ils sont à 1,99€. J'en ai 6 des comme ça. Ils n'ont pas bougé. Franchement, la qualité, elle a rien à envier à un autre magasin connu ou plus grand. 1,99€, ils sont nickel. Là, vous avez des soucoupes pour pots de fleurs à 1,69€, 31 par 31. Les paniers rotins avec le film plastique à l'intérieur en 20 diamètres, c'est 3,49€. Et il y en a des plus grands ici à 5€ qui font 40 de diamètre et 14 cm de hauteur. Ouais. Ça, c'est de retour. Je sais que ça avait fait un carton l'année dernière. Il y a les petits pots de fleurs comme ça en zinc. C'est 1€ pièce. Je sais pas si ça, c'est le même prix. Les gels à la citronnelle, c'est 58 centimes. On a une lampe anti-insecte ici à 5€. Qui se recharge par USB. Et là, c'est une lampe de sol aussi, anti-insectes, qui va venir cramer les moustiques à 5€. Il y a déjà les premiers sachets de semences. C'est 39 centimes la pièce. Regardez tout ce qu'il y a. Alors ça, je veux bien votre avis, parce que du coup, là, je vois qu'il y a des trucs sympas, des alors, il y a des poivrons, de la ciboulette, il y a des betteraves, carottes, tomates cerises. Franchement, si vous me dites que c'est bien, moi je veux bien votre avis. Ça, ça doit être dill, ça doit être anès, ouais, c'est ça. Romarin, roquette. 39 centimes le paquet de semences. Et là, on a des fleurs pour faire des parterres de fleurs ou pour mettre dans ses pots de fleurs. C'est 39 centimes aussi et ça attire les. Alors. Ça, c'est des fleurs pour abeilles et ça, c'est des fleurs sauvages. Bon. J'en avais acheté aussi, j'étais ravie. Hein. Mais ça, là, par contre, je vais en acheter d'avance parce qu'après, il n'y en aura plus, c'est sûr. 39 centimes. Le gazon sport et jeu, donc vous savez, c'est celui qui est bien dense. C'est 4,32€ le kilo pour 50 mètres carrés. Et vous avez ici des kits de culture pour aromates avec le terreau à 2,82€. On les avait déjà vus. L'année dernière aussi. Les bougies à la citronnelle, elles sont à 2,22€. Elles font 10 par 12 et il y a plein de couleurs différentes. Juste pour la déco, j'aime trop. Pour mettre sur une table.
Et là, vous avez les chauffe-plats, hein, 79 les 24. Tout à l'heure, je suis passée devant ça, j'ai oublié de vous montrer les doubles. À 3,33€, qui font 35 cm de largeur. Couleur olive. Il n'y a que couleur olive pour cela. Les grandes soucoupes, elles sont à 5,99€. Non, il y a des petites aussi. Il n'y a pas le prix. Pas encore, ils sont en train de l'installer. Hein. Et ici, vous avez les grands seaux en zinc à 4€. Ils font 36 par 14. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, cette vidéo. J'hésiterai pas à vous en refaire une avec grand plaisir. Moi, j'adore tout ce qui est univers jardin. J'ai pas forcément la main verte, mais c'est vrai que j'aime bien, ça me plaît. Je vous fais de gros bisous, passez un excellent week-end et puis ben à très très vite. Bye!